Magnifique vidéo, hein, merci. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à mettre les petits pouces. Comme d'habitude, vous le savez, pour mettre les petits pouces, il suffit de cliquer sur le petit pouce bleu. Il faut qu'il devienne bleu juste en dessous la vidéo, là. Ça me permet de savoir si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez la conférence. Et je les vois, vos petits pouces. Donc, justement, c'est pour justement passer un agréable moment. Sans plus attendre, donc, je vous présente notre ami Eric, donc, que vous apercevez à l'écran, voilà, qui est juste là. Salut, Eric. Salut. Salut, voilà, donc Eric, un passionné de l'Afrique, vous allez voir, il va nous parler justement de cette belle croisière avec un bout de safari, hein. On va partir à la découverte d'animaux, de faune et de flore qui va être très très riche. On va également, un petit coup de cœur, c'est Lodge, 80 mètres carrés de Lodge, on va vivre donc dans des hébergements qui sont exceptionnels, mon Eric. Je ne dévoile pas tout, en tout cas, dis-nous un petit mot justement. Comment ça se fait que l'Afrique te passionne autant, mon Eric? Écoute, Lucas, merci déjà de nous donner la parole et merci de mettre en avant ce continent à la fois, ces pays. Pourquoi l'Afrique me passionne, moi qui ai sillonné le monde depuis plus de 30 ans maintenant? Je crois que l'Afrique, c'est un véritable coup de cœur. En réalité, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique que l'on connaît à travers le Maghreb et cette image, que ce soit les pays Tunisie, Maroc, Égypte, donc une Afrique qu'on va dire proche. On connaît en tant que pays colonisateur les pays Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Et puis, il y a l'autre Afrique, que j'appelle l'autre Afrique, l'Afrique de l'Est. Au départ, je pensais avoir tout vu, effectivement, avec le Kenya et la Tanzanie, et je ne pensais pas pouvoir m'émouvoir autant sur cette destination qui regroupe notamment le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Et je dois avouer que l'expérience, et je vais vous en parler sur le lac Kariba, est une expérience totalement inédite, totalement unique, où nous avons des sensations que l'on découvre nulle part ailleurs. C'est assez exceptionnel, oui. Voilà, Lucas, en deux mots, pourquoi l'Afrique ? Magnifique. Bah écoute, on a hâte de découvrir justement cette Afrique qui est peu connue finalement. La Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, c'est pas des régions, on va dire, très très touristiques encore. Donc c'est vrai qu'on est dans des régions où clairement il n'y a pas de touristes même, hein. On va découvrir même le lac Kariba. Alors, Lucas, si je peux me permettre, c'est pas que des régions où il n'y a pas de touristes, c'est des régions qui ont décidé de faire un tourisme préservé. C'est-à-dire que c'est des régions qui ont un tourisme plus ou moins, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'écologiste et de responsable, en sachant, et je mets un petit bémol là-dessus, que certaines personnes, et je reviens sur le Kenya deux secondes, parce que je suis aussi passionné par ce pays, que le Kenya n'est pas comme on veut bien l'entendre, ou quelquefois certaines personnes le disent, Tuari en grandeur nature, parce que on a des immensités sur ce continent qui sont absolument hallucinants. Tu parlais du parc de Matuzadona tout à l'heure qu'on va découvrir sur le Zimbabwe. Il faut savoir que le parc de Matuzadona, c'est grand comme la Belgique. Donc, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on peut découvrir. Et quand je vous dis qu'on est seul au monde, quelquefois, on est vraiment seul au monde. Top. Bah, hâte de découvrir ça. Bah, du coup, je te laisse commencer sans plus attendre, justement. Je te lance le diapo et c'est à toi. Eric, fais-nous rêver, on est parti. Alors, je te laisse juste décoller, je ne sais pas si tu vas l'entendre. Voilà, il y a le bruit de l'avion là qui vient de passer. Là, on vient tout juste de décoller, Eric. C'est parti, c'est à toi. C'est parfait. Alors, l'Afrique. L'Afrique, je vous l'ai dit en préambule, c'est un continent merveilleux. Et il faut aller au moins une fois dans sa vie en Afrique. En Afrique de l'Est, en Afrique australe. Mais faites-moi plaisir, allez, une fois que cette pandémie, effectivement, sera terminée, allez sur l'Afrique, allez sur cette croisière. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous allez découvrir des sentiments et des sensations que vous pourrez avoir nulle part ailleurs. L'Afrique, c'est l'origine de la vie. L'Afrique, vous allez découvrir notamment deux sensations qu'on a perdues sur les continents dits civilisés, d'y développer en tout cas, c'est l'espace. Le premier mot qui nous frappe sur ce continent, c'est l'espace, avec
une vision à perte de vue. C'est-à-dire qu'on a cette vision quand vous êtes sur un bateau, quand vous êtes sur un 4x4, une vision où rien ne vient obstruer votre vue, ni poteau électrique, ni route. C'est tout simplement exceptionnel, cet espace qui s'offre devant nous. Le deuxième sentiment que nous avons perdu et que nous avons énormément perdu sur l'Europe et sur, encore une fois, sur les pays développés, c'est cette sensation de silence. Quand je suis là-bas, je conseille effectivement aux personnes qui m'accompagnent de couper le moteur du 4x4 et d'écouter le silence. Et ce silence, il n'est pas pesant, ce silence, il est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il se double de paysages, il se double d'animaux, et c'est assez extraordinaire que d'écouter ce silence en Afrique. Et effectivement, on va vous emmener un petit peu ce qu'on nous on a appelé chez CroisiEurope aux confins du monde. Le confin du monde, c'est effectivement cette croisée des chemins entre la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe, où vous allez avoir des couleurs, des paysages. On va commencer, comme on le voit sur le slide qui vous est présenté, effectivement, le lac Kariba. Je vais en parler après. Pour moi, le lac Kariba. Alors, Lucas, tout à l'heure, vous parlez des lodges. Bien sûr, je vais en parler des lodges qui sont magnifiques, extraordinaires. Mais pour moi, le plus beau moment de cette croisière, c'est le lac Kariba et effectivement être sur ce bateau au lac Kariba. C'est tout simplement, vous allez vivre un moment inoubliable et surtout un moment privilégié. Vous aurez l'impression d'être privilégié. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls à naviguer sur ce lac. Les lodges, vous pourrez en trouver d'autres, mais les bateaux, il n'y a que nous qui vous proposons ceci. Donc tout de suite, alors bien entendu, quand on fait l'Afrique, on est obligé de vous emmener un petit peu à la découverte des populations, et je crois que ce serait une erreur d'aller sur ce continent et de ne pas découvrir les populations. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je propose qu'on passe à l'autre slide tout de suite. Donc Lucas, si voilà. Donc alors, donc c'est un séjour de 11 jours, 8 nuits. La grande force, c'est que vous êtes en tout inclus, hein, donc vous serez en tout inclus sur ce voyage, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à dépenser en plus, c'est-à-dire que toutes les excursions, les boissons et toutes les boissons, y compris le vin sud-africain d'ailleurs qui est très bon, très, très 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 qui se rapproche énormément du terroir français. Donc tout est inclus à bord, une cuisine et une gastronomie de qualité, puisque tout est servi effectivement à l'assiette et vous allez manger divinement bien. Vous allez, donc c'est sur le bateau, sur un bateau qui est qualifié de 5 ancres, c'est un bateau inédit, je vais vous le présenter. Donc on en a parlé un petit peu avec possibilité d'extension sur le cap de 4 jours. Voilà un petit peu le vol, un mot du vol. Donc là, le vol qui va vous conduire, c'est assez simple puisqu'on se posera sur Johannesburg ou sur le Cap en fonction du prévoyage. C'est un vol sans histoire, 11 heures, on traverse en ligne directe. Vous n'avez pas de décalage horaire, pas de vaccin. En tout cas, quand je dis pas de vaccin à l'heure où on se parle. Peut-être que demain, on aura un vaccin Covid ou anti-Covid. Comme on veut, si les autorités le demandent, peut-être qu'on s'acheminera là-dessus. Mais en tout cas, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Les pays qu'on traverse, où on va aller, sont plutôt safe en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas la fièvre jaune qui est obligatoire, ni le paludisme d'ailleurs, puisque les quatre palus sont assez rares sur ce continent. Donc 11 heures de vol, et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner quand vous rejoignez ce continent, vous êtes en vol de jour à l'aller, vol de nuit au retour très souvent. Et ce vol de jour, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder et de vous prendre des places à côté des hublots. Parce que bien souvent, je l'ai remarqué dans mes voyages, maintenant, les personnes ferment leur hublot. Et ne regarde plus ce qui se passe au sol, et je trouve que c'est une erreur. Et là, vous allez traverser tout le continent africain par avion, en tout cas sur le vol aller, et notamment vous allez passer par le fameux Sahara,
avec des images absolument sensationnelles, puisque vous allez traverser vous allez passer au-dessus du Ténéré, notamment. Et je pense que ça serait une erreur de regarder le film à ce moment-là et de ne pas regarder ce qui se passe au sol. Ça, c'est une petite parenthèse. Découverte d'une faune et d'une flore, bien sûr, je vais en parler. L'avantage de ce voyage, c'est que vous allez faire à la fois des safaris qui sont terrestres, donc c'est-à-dire à bord de 4x4, et puis également des safaris qui sont nautiques, à bord de petits bateaux qui sont super bien équipés. C'est des petits bateaux à propulsion électrique, ce qui nous permet de nous approcher au plus près hein, des animaux sans faire de bruit, donc en respectant ce silence. Il y a même des toilettes à bord de ces bateaux, donc pour vous dire qu'ils sont assez équipés d'une manière exceptionnelle. On vous proposera d'ailleurs de la pêche à un moment donné. On pourra les pêcher sur le lac Kariba. Et je dois avouer que c'est une expérience pêchée au moment du coucher de soleil. C'est avec un petit verre de blanc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà un petit peu pour une présentation. Bien sûr, vous avez l'encadrement du personnel bateau, personnel francophone, hein, je le précise, et encadrement par un guide local à chaque fois, c'est-à-dire par un rangers. Donc voilà le safari croisière 11 jours, 8 nuits, et je parlerai du pré-programme après. On a parlé, bien entendu, des chutes Victoria. Et alors, il faut toujours, j'allais presque dire, je fais un jeu de mots, il faut toujours une chute dans un voyage. Ben là, on a trouvé les chutes Victoria qui ont été découvertes, je le rappelle, par Livingstone. Et j'y reviendrai aussi parce que c'est un très, très beau moment. Mais encore une fois, ne l'oubliez pas, pour moi, le très, très beau moment reste le lac Kariba. Continuons ou commençons notre premier programme. Vous arrivez à Johannesburg, donc le jour 1, après ce vol de 11 jours, on va dans un hôtel 5 étoiles. Qui est plutôt sympathique. Et on va vous emmener à Johannesburg, notamment. Alors, on peut se poser la question de l'utilité d'aller sur Johannesburg. Et moi-même, je me la suis posée. Et je peux vous garantir que c'est très utile d'aller sur Johannesburg. Pourquoi? Parce qu'on va aller découvrir le musée de l'apartheid. Musée de l'apartheid qui est un moment assez stupéfiant, d'ailleurs. Assez émouvant, qui est très très bien fait. On y passe, on va dire, 2 heures dans ce musée. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien oui, ça vaut le coup parce que ça nous remémore l'histoire tristement célèbre de ce pays. On se rend compte de ce qu'ont vécu les Africains. Hein, c'est des moments qui sont chargés d'histoire. Et puis, c'est un rendez-vous avec ce monsieur, je dis ce monsieur parce que c'était quand même un très, très grand homme avec un destin assez extraordinaire que le destin de Nelson Mandela, qui est devenu le président de l'Afrique du Sud. Découvrir Johannesburg et ce musée de l'apartheid nous remémore un certain nombre de souvenirs. Et c'est pas très vieux, finalement. Et on se dit qu'en 81, 82, dans les années 80, on a laissé faire et on a laissé un homme emprisonné pendant quelques dizaines d'années. Et on peut se poser toujours un certain nombre de questions que je vous laisserai vous poser. On ira faire un petit tour aussi en même temps, bah, bien entendu, sur Soweto, hein, Soweto qui a été un des hauts lieux justement du combat contre l'apartheid. Et quand vous êtes à Soweto, bah, c'est aussi quelques moments qui sont chargés d'émotions, puisque les émeutes ont commencé à cet endroit-là. Et pour les plus anciens, vous aurez les images qui vous reviennent effectivement de ces camions blindés qui sillonnaient Soweto et ces terres de boue. Aujourd'hui, il faut savoir que Soweto est une ville dans la ville. Et toutes les rues sont goudronnées, vous avez des petites villas charmantes, ce n'est plus du tout le township qu'on pouvait imaginer, même s'il a toujours cette connotation de township. C'est un petit village qui est presque devenu, qui est même devenu très paisible. Donc voilà, on ira faire un petit tour à Johannesburg, et une fois qu'on ira terminer, si on peut passer les diapos suivantes, peut-être, Lucas. Ah, et puis là, on arrive justement dans le
dans l'un des moments phares, hein, parce que là, on parle de luxe ou on parle pas de luxe, là, avec ces lodges qui font Alors, 80 mètres carrés, hein, c'est ça, hein, Eric? si tu le permets, avant de rentrer dans ce détail, mon Lucas, le luxe, encore une fois, le luxe vient en plus de ce voyage. Le luxe, je vais presque te dire, est la cerise sur le gâteau. Bien sûr qu'on a le luxe, bien sûr, mais il y a autre chose avant le luxe, Lucas. Et avant le luxe, vous avez ce vol entre Johannesburg et Kazan. Et là, cette diapo, parce que à Johannesburg, vous n'êtes pas en Afrique. Il faut pas rêver, il faut se le dire, Johannesburg, vous n'êtes pas en Afrique. Mais là, quand vous vous posez à Kazan, vous êtes en Afrique. Vous êtes dans l'Afrique noire. Vous êtes plongé dans un univers que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Et c'est ça qu'il faut retenir avant tout, Lucas, avant le luxe, c'est que les personnes qui vont débarquer à Kazan avec nous, et vous serez 16 maximum, je le rappelle, puisque nos lodges, vous avez 8 villas et sur le bateau, vous avez 8 cabines. Donc, voyage d'exception, encore une fois, puisque vous ne serez que 16 au maximum. Donc, vous débarquez à Kazan de l'aéroport, vous montez directement dans des 4x4, les valises partent avant vous. Et là, on va vous emmener où? Donc, je vous le rappelle, quand vous êtes à Kazan, vous êtes au Botswana. Et on va vous emmener prendre des petits bateaux. Et là, l'aventure commence. C'est-à-dire que vous montez sur les bateaux. Et là, on va arriver sur la rivière Chobé. On va arriver sur le Zambèze aussi, le fameux Zambèze, mythique Zambèze, pour vous emmener en Namibie, puisque les lodges que vous allez avoir sont en Namibie. Et avant d'arriver dans cette oasis, parce que moi je l'appelle un oasis, alors c'est un oasis de luxe, effectivement. Mais avant d'arriver dans cette oasis, vous allez me faire un petit parcours sur le Zambèze et sur la rivière Chobé d'une demi-heure, où vous allez avoir vos premières émotions. Alors, quand je dis les premières émotions, ça va commencer tout doucement avec les oiseaux, avec des oiseaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des couleurs, avec des senteurs. Vous allez voir certainement, c'est même pas certainement, c'est sûr, des crocodiles sur la rive. Donc déjà, le pilote du dinghy s'arrêtera. Vous verrez certainement à un moment donné des hippopotames par troupeau, puisque là, vous voyez cette photo qui est devant vous, eh bien, vous avez les hippopotames qui sont à 100, 200 mètres de ce lodge, puisque là, vous avez la vue d'un lodge, vous avez la vue d'une villa qui se trouve devant vous. Et c'est effectivement des moments magiques. Donc, vous arrivez sur ce lodge par le petit pont qui est là où vous voyez le vélo. Et là, effectivement, comme le dit Lucas, c'est le luxe. C'est le luxe. 8 bungalows. Chaque bungalow fait 80 mètres carrés. Chaque bungalow a une piscine privée. C'est des terrasses. Et il faut savoir que nous avons deux lodges qui sont distants de 200 ou 300 mètres, puisque ce safari, cette croisière fonctionne tellement bien qu'on a décidé de construire un deuxième bateau et un deuxième lodge avec des départs différés, hein, c'est-à-dire que tous les 3 jours, vous avez des départs, ce qui veut dire que vous serez jamais ensemble, donc vous serez toujours 16 maximum. Et les deux lodges sont à peu près similaires. Alors, il y en a un qui a un peu plus d'espace, l'autre a une piscine commune un peu plus grande, mais aussi des piscines privées. Donc, c'est ce qui fait le charme de ces lodges. Là, vous voyez l'exemple type du bar. Donc, vous êtes en extérieur sur le bar et vous pouvez apercevoir les animaux. Donc, tout au long de ce voyage, alors voilà la salle de restaurant. Voilà la salle de restaurant qui vous est proposée. Et donc, on peut passer à l'autre diapo aussi, puisque le soir, en général, on rentre. Voilà, le soir on rentre et on va dîner dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un gîte où effectivement les personnes nous reçoivent. On est sur quelque chose effectivement de très raffiné. Vous savez que les Africains ont reçu une éducation où vous avez effectivement une notion du service. Le côté anglais ressort énormément dans cette notion de service. Imaginez, vous êtes 16 dans cet espace, hein, donc c'est quand même assez stupéfiant. On a là toujours cette impression d'être un peu seul au monde. Et là, par exemple, tu vas un peu trop vite, Lucas, si on peut revenir en arrière, s'il te plaît. Donc là, par exemple, le soir, vous avez un conteur qui vient vous raconter. Alors, il y a un soir où il va venir vous raconter les histoires africaines.
ou les histoires du pays en question, sur l'évolution du pays, que ce soit de la Namibie ou du Botswana. Et je dois avouer que c'est particulièrement intéressant. Donc voilà pour le dîner et le bar. On peut passer effectivement à l'autre diapo. Donc là, vous avez la vue à la fois du bar et d'une des parties principales avec une végétation qui est assez exubérante. Et il faut savoir qu'on organise un barbecue à chaque fois dans les 3 jours, puisque vous allez passer 3 nuits dans cet endroit. 3 nuits dans cet endroit, et nous organisons un midi un barbecue. Barbecue à base j'allais dire, de viande locale, hein. Alors, vous allez goûter à de l'antilope, vous allez goûter à du zébu, vous allez goûter à différentes variétés, effectivement. Et je dois avouer que avoir un barbecue, c'est très agréable avec effectivement toutes les boissons possibles que vous souhaitez. Et ce que je vous conseillerais, c'est de vous mettre un petit peu au pied du balcon, parce que si vous avez la chance, comme moi, de le découvrir, vous verrez avec un peu de chance les éléphants traverser. On a eu la chance de voir un troupeau d'éléphants traverser, mais traverser, ils sont passés devant mon bungalow, ils ont traversé, ils étaient à 150 mètres de moi, il n'y avait plus que la trombe qui émergeait de l'eau, et vous avez les éléphants qui traversent en troupeau. Il y en avait une dizaine. Et quelquefois, on est très fort dans la réactivité, effectivement. C'est un des grands moments. Il y a le patron du petit Dinky qui arrive et puis qui nous dit: venez, je vais vous emmener. Et comme ça nous permet d'aller voir les éléphants du plus près. Il faut savoir que dans cet univers, la nuit, là où vous êtes au milieu, vous avez des gardes, hein. Vous avez des gardes parce que vous êtes dans un milieu sauvage. Vous n'êtes pas dans un milieu hostile, mais vous êtes dans un milieu sauvage où vous avez des hippopotames qui peuvent venir se balader au milieu. Des éléphants, quelquefois, qui peuvent traverser au milieu. Ça, c'est rare. Mais en tout cas, les hippopotames, c'est plutôt fréquent. Vous avez les singes, bien entendu. Et là, vous avez effectivement des gardes qui patrouillent la nuit, justement, si vous avez envie de sortir ou besoin de sortir et pour écarter, effectivement, mais d'une manière très, très sympathique, ces intrus. Et je vous conseillerais, effectivement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de moustiques. Je vous conseillerais d'aller vous balader le soir parce que c'est assez exceptionnel, parce que le parc où vous avez les villas est éclairé avec des lampes, et vous avez des arbres, que ce soit des baobabs ou des palmiers qui sont éclairés. Je peux vous garantir qu'en cette période de confinement, aller là-bas, c'est assez exceptionnel. Quand on pourra, bien entendu, y retourner, et dès le mois de mai, puisqu'on rouvre l'Afrique, effectivement, dès le mois de mai, et je ne saurais trop vous conseiller d'y aller. Voilà les chambres. Donc, que dire sur les chambres? On est sur du très très haut de gamme, sur du luxe, effectivement. Appelons ça, c'est un voyage de luxe. Voilà, le jacuzzi au milieu. Vous avez des douches à l'italienne, vous avez des douches à l'intérieur, vous avez des douches dehors pour la piscine. On est sur de l'exceptionnel. Voilà la salle de bain, une des salles de bain. Alors ça, c'était un des bungalows où, effectivement, où j'ai eu la chance d'être, à la limite. La salle de bain, vous pouvez y tenir à 50, hein. Donc, c'est quand même assez impressionnant d'avoir une salle de bain de cette taille. Et dehors, vous ouvrez, vous avez les grandes baies vitrées, vous tombez sur la piscine, vous tombez sur la douche extérieure. Donc, c'est un joli moment que de séjourner à cet endroit-là. Voilà la piscine qui donne directement sur le Zambèze, hein, puisque on est sur le Zambèze. Alors, quand je dis piscine, vous faites effectivement 3 brasses. Sur l'autre lodge, vous avez une piscine qui est, alors chaque lodge, bien entendu, tous les lodges ont des piscines particulières. Et sur le deuxième lodge qu'on a construit, il y a une grande piscine aussi, mais qui, de vous à moi, les personnes s'en servent très peu. C'est plus pour décorer. Donc, on propose là aussi différentes activités. Donc, bien entendu, on va découvrir. Alors, le matin, peut-être qu'on peut passer et commencer à aller chercher. Donc, voilà quelques photos à nouveau Juste des petite loges. précision, Eric, ça veut dire que là, clairement, tu es dans ta piscine et tu vois les hippopotames passer, tu vois également les éléphants passer, si tu as un peu de chance, c'est ça, c'est incroyable, hein? Je sais C'est pas ce que vous en incroyable. pensez sur le chat, là, et n'hésitez pas à justement donner vos commentaires. Moi, je suis bluffé, là, c'est waouh! C'est Waouh! incroyable, effectivement. C'est incroyable, c'est exactement ça. Top, Et top. si t'as beaucoup de chance, t'as un crocodile le matin dans ta piscine.
C'est ça. Mais ça, si j'ai bien compris, il y a quand même les gardes qui surveillent pour justement pour garder Absolument. notre confort, entre guillemets, et pas se réveiller avec un lion à côté, effectivement. C'est ça. Non, t'as pas de lion là, à cet endroit-là, t'as pas de lion. Pas encore, ok. Donc voilà pour les lodges. Donc alors ensuite, et on va passer au clou du spectacle. Pourquoi on est là en réalité? Parce que, ok, on va pas faire quelques milliers de kilomètres, 8000 kilomètres, simplement pour avoir un lodge de luxe. On va faire 8000 kilomètres et on va revenir quand même à l'essentiel pour aller découvrir la faune et la flore de la rivière Chobé. Donc là, on va attaquer tout de suite sur un premier safari nautique. Donc, on va reprendre notre petite embarcation, les petites embarcations qui vont nous ramener. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais on va passer les frontières. On va passer les frontières entre le Botswana et la Namibie. À chaque fois, on va se faire tamponner son passeport. C'est pour ça qu'on demande 3 ou 4 pages de libre sur le passeport, où vous verrez, c'est assez folklorique. Vous descendez du dinghy, vous allez vous faire tamponner, vous faites 50 mètres à pied, vous avez le bureau de douane qui tamponne votre petit passeport et hop, on remonte dans le dinghy et on va aller découvrir la rivière Chobé. Et là, on va passer un joli moment puisque le jour 4, donc on va découvrir ce parc national de Chobé qui est unique au monde, donc deux safaris, un safari terrestre. Et un safari nautique, et là c'est le bonheur. Là c'est le bonheur. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au préalable. On coupe le 4x4 et on écoute non seulement le silence, mais on écoute la nature et on essaye de découvrir. On part à la découverte des animaux et chaque passager a un rôle essentiel puisqu'il observe aussi les animaux. Et vous le verrez si vous décidez de nous rejoindre dans cette croisière, dans ce safari croisière. Il se passe un phénomène assez intéressant à voir. C'est-à-dire qu'au début, les gens sont toujours bruyants, ils parlent dans le 4x4. Et puis, au fur et à mesure, ils se rendent compte que faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler, faut observer, faut écouter. Parce que si on continue à parler, on voit rien, on n'observe rien. Et puis surtout, les animaux, ils viennent pas. Donc, à un moment donné, très naturellement, ça se fait au bout d'une demi-heure, d'une heure. Il n'y a même pas besoin d'intervenir. Tout le monde baisse d'un ton et là on commence à observer et les animaux commencent à sortir. Et les éléphants, comme vous l'a dit Lucas tout à l'heure, la population d'éléphants, ça, on est à peu près sûr d'en voir. Et c'est assez stupéfiant de voir le nombre d'éléphants qu'il y a sur Chobé, puisque c'est la plus grande concentration d'éléphants. Vous avez plus de 500 000 éléphants encore sur le Botswana. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais les éléphants sont en grand nombre depuis le confinement. Je vous parlais du Kenya et de la Tanzanie tout à l'heure, y compris au Kenya et en Tanzanie. Vous avez aussi des naissances par dizaines sur ce continent. Grâce au confinement, on va dire que c'est la seule chose positive qu'on peut retrouver sur ce confinement. Des zèbres, bien sûr, des antilopes, vous en découvrirez. Il n'y a qu'une chose qu'on n'est jamais sûr et qu'on ne garantit jamais, bien entendu, c'est les fauves. Mais je peux vous garantir que sans trop me tromper, vous verrez des lions. Avec un peu de chance, vous verrez des guépards. On va s'arrêter sur cette photo, tiens, 2 secondes, Lucas. Vous verrez des lions, vous verrez les lions, vous allez en voir, parce que le lion est quand même omniprésent sur le long des rivières. Et vous les verrez, et encore une fois, vous les verrez. Pour vous, puisque on a 2 4x4 maximum, on prend des routes, les chauffeurs prennent des routes effectivement de manière à jamais trop croiser d'autres véhicules. Nous, on a eu la chance de voir, et je reparlerai à Mathieu Zadonna notamment, un troupeau de 12 lions à un moment donné qui venait de dévorer un hippopotame. Donc des buffles aussi, des troupeaux de buffles, ça, des troupeaux de buffles, on va en voir. Je ne sais pas si vous le savez, mais le buffle est l'animal qui fait le plus de ravages en Afrique, c'est-à-dire qui tue le plus d'hommes ou d'enfants en Afrique. C'est l'animal le plus dangereux. Donc pourquoi? Parce que quand vous regardez ses cornes, vous comprenez aisément, il est en troupeau et c'est lui qui tue le plus de personnes. On pourrait s'imaginer que c'est le crocodile ou le lion, et ben non, c'est le buffle. Le buffle est un animal qui est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce que c'est des taureaux, hein, c'est des taureaux en puissance avec des cornes qui sont exceptionnelles.
Donc voilà, les amateurs de photos, hein, pour les oiseaux, pour les amateurs d'oiseaux, etc. C'est assez les fameux impalas, hein, qu'on voit. Donc toujours, vous voyez. Alors ces couleurs, hein, on parle des amateurs de photos, mais on peut parler aussi des amateurs de peinture. Pour les amateurs de peinture, on n'a qu'une envie, c'est de prendre la toile, le pinceau, et vous avez ces dégradés de verre, qui ne sont que de l'Afrique. Ces dégradés de verre sont assez exceptionnels. Bah ouais. Donc, bah les lions, voilà. Donc les lions, hein, on en parlait. Alors les lions ont cette particularité de se fondre effectivement dans le paysage, que ce soit les lions, les léopards d'ailleurs, ils se fondent très très bien dans le paysage et quelquefois on a du mal à le découvrir. C'est pour ça que vous avez toujours un guide avec vous. Moi qui aime voyager tout seul en Afrique, il m'est arrivé une fois une anecdote, alors pas au Botswana, mais en Tanzanie, de descendre du 4x4 pour satisfaire un petit besoin naturel. Et effectivement, allez, à 150 mètres de moi, il y avait deux lions que j'avais pas vus, que je n'ai vus uniquement en remontant dans le 4x4. Donc c'est pour vous dire que ces animaux savent se confondre dans la nature. On ira faire un déjeuner dans un restaurant flottant. Alors un déjeuner très convivial, c'est pareil, avec une vue. Donc on sera au milieu de la rivière Chobé, donc au milieu de nulle part. Et là, vous avez ce restaurant flottant où vous aurez du poulet, de la viande, du poisson, effectivement. Et vous passez encore une fois un moment super agréable. Donc c'est un moment à l'ombre, ombragé. Et l'après-midi, on reprend le safari, donc on repasse du 4x4 pour aller sur nos petits bateaux, là, sur nos petits bateaux et approcher au plus près. Là, clairement, on va approcher au plus près les éléphants et on va approcher au plus près les hippopotames. Donc, toujours dans le silence, c'est assez exceptionnel, assez exceptionnel. Voilà quelques photos des hippos. Les hippos et les hippopotames sont les éléphants et les hippopotames sont vraiment très très présent. Que dire des crocodiles? Je reparlerai tout à l'heure des crocodiles avec Matusadona, mais les crocodiles, c'est Jurassic Park, hein. Vous avez des monstres, c'est particulièrement impressionnant. Et le soir, comme je l'ai dit, on rentre sur le lodge, on repasse sur la douane, on admire le coucher de soleil, parce que je dois avouer que le coucher de soleil est assez sensationnel. D'aller découvrir ce coucher de soleil sur le Zambèze. Et d'ailleurs, on vous réserve toujours quelques surprises dont je ne vais pas les dévoiler. Donc, vous aurez toujours quelques surprises qui vous attendront. Comme je vous l'ai dit au préalable, on est allé en Afrique sans être au niveau des populations locales. Ça serait dommage. Et on va vous emmener découvrir un village, effectivement, de près des lodges. D'ailleurs, il faut savoir que CroisiEurope a emmené l'électricité à ces villages, puisque ces villages n'avaient absolument pas d'électricité. Donc, nous avons emmené l'électricité à ces villages, nous avons emmené un certain nombre d'avantages pour les aider. Et effectivement, on vous emmène les découvrir, découvrir un petit peu la vie de ces villages. Alors, je ne sais pas si on a mis une photo des enfants après. Lucas, est-ce qu'on a une photo Alors, des on n'a enfants? pas de photo des enfants. Par contre, Eric, j'ai des petites questions sur le chat, à savoir quelle est la meilleure période pour faire ce Alors, voyage, d'après toi? j'y reviendrai. Il y a deux périodes en réalité. On peut, puisqu'il y a une question, je peux aborder le sujet tout de suite. Vous avez ce qu'on appelle l'hiver austral. Vous avez deux saisons. Vous avez la saison sèche et la saison. Même il y a trois saisons. Alors, il y a la saison, on va dire mars, avril. Celle-là, on n'en parle pas en ce moment, puisqu'effectivement, on peut pas voyager. Mais c'est une saison chaude. C'est une saison chaude, donc qui est une bonne saison pour y aller. Et puis il y a la saison, on va dire ce que je vais qualifier entre juin et le mois de septembre, qui est l'hiver austral, donc, puisque les saisons sont inversées. Je trouve que c'est une bonne saison. La seule chose, si vous décidez d'y aller en juillet ou en août, c'est que au début, alors faudra pas faire l'extension au Cap si vous voulez y aller en juillet et en août. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Il fait froid, c'est pas agréable, ça n'a pas d'intérêt d'aller au Cap, vous allez avoir froid. En revanche, au mois de juillet, il fait frais le matin, c'est-à-dire que vous allez avoir une température
quand on va vous lever au petit matin sur les bateaux de 7-8 degrés, mais ça va très vite monter à 24-25 degrés et vous allez avoir la chance d'avoir beaucoup d'eau. Donc plus vous allez monter, c'est-à-dire plus on va monter juste, quand je dis monter, c'est-à-dire au nord hein, de l'Afrique, plus vous allez avoir chaud, notamment sur le bateau, sur le lac Kariba, pour avoir une température moyenne entre 25 et 30 degrés. Donc jamais trop chaud, des températures très supportables. Et surtout, l'énorme avantage, c'est pour la fin du voyage, c'est que vous aurez les chutes Victoria en eau. Les chutes Victoria avec beaucoup d'eau. Et là, ça a l'avantage d'être assez exceptionnel. Je le tiens à le préciser parce qu'il y a eu des reportages. Vous avez toujours de l'eau aux chutes Victoria. Alors, les chutes Victoria s'étendent, je ne vais pas en parler, mais je peux en parler déjà sur plusieurs kilomètres. Et il y a de toute façon toujours une partie où il y a moins d'eau que l'autre. Donc, il y a des fake news qui circulent en disant les chutes Victoria ont plus d'eau, ce qui est totalement faux. Donc, sur je trouve que le mois de juillet, août, c'est une période très propice. Alors, il y a beaucoup d'eau, mais comme il y a beaucoup d'eau, vous allez voir un peu moins d'animaux, peut-être, mais bon, en général, vous les voyez quand même assez bien. Et puis, il y a la saison qu'on va qualifier vraiment de sèche à partir de fin septembre, jusqu'au mois de décembre pour reprendre grosso modo au mois de février pour aller jusqu'au mois d'avril. Où là, vous avez un temps chaud, pas humide. Ceci dit, c'est pas très humide non plus, mais un temps chaud, mais il y a moins d'eau. Donc, comme il y a moins d'eau, vous avez plus de chances de voir les grands prédateurs, près des rivières, près des points d'eau. Donc, voilà les deux grandes périodes. Donc, j'en reviens, Lucas, si tu le permets, donc à cette visite du village et sur l'Afrique. Avant, on reste sur la photo du village 2 secondes, s'il te plaît, Lucas. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants. Il y a les enfants et vous allez découvrir ces enfants. Et les enfants africains ont cette particularité d'être toujours souriants. Et moi, ça m'a toujours frappé. D'ailleurs, les populations d'Afrique sont toujours souriantes en règle générale. Ces enfants respirent le bonheur. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien et ils respirent le bonheur. Et à chaque fois que j'ai été en voyage en Afrique, je me suis toujours interrogé, mais j'ai pas la réponse, hein, bien entendu. Et je ne me permettrai pas de faire un jugement, de savoir qui étaient les plus heureux au final. Est-ce que c'était nous, avec tout ce qu'on a, ou est-ce que c'était ces gamins, qui ont 3 fois rien, mais qui finalement ont quelque chose, je crois, qui n'a pas de prix. Finalement, c'est la liberté d'agir. Et on le voit en ce moment avec notre période de confinement, nous, on est privés de nos libertés essentielles. Pour en revenir à ces gamins, ils sont plutôt heureux, voire très heureux. Donc, on peut se poser la question d'aujourd'hui de savoir si les PlayStation, les téléphones portables font réellement le bonheur. J'aurais tendance à dire que non quand je vois l'évolution de notre société, sans faire le vieux combattant, mais on peut légitimement en tout cas se poser la question. Et c'est pour ça que Lucas me posait la question au début, pourquoi j'adore l'Afrique? Ben, je me sens bien effectivement dans ce continent, on se sent en osmose avec une certaine vie en tout cas. Donc voilà, nous avons fait 3 jours dans ce lodge où on a été à la fois découvrir. Alors, je le précise, vous n'êtes pas obligé d'aller découvrir le village, vous pouvez profiter des infrastructures aussi de votre lodge, c'est-à-dire que vous pouvez profiter de la piscine, vous pouvez aller à la pêche, vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur du lodge ou tout simplement décider de vous reposer. Et puis là, on va faire une excursion, des très très belles excursions, puisqu'en réalité, on va rejoindre le lac Kariba à bord de ces petits avions. Alors, je précise tout de suite, pour ceux qui éventuellement auraient peur en avion, c'est des avions qui sont certifiés, qui sont pilotés par des pilotes qui ont une grande habitude de la brousse. Et il n'y a vraiment aucun souci, puisqu'on va se poser sur Kariba. Kariba, c'est une piste en goudron, de toute façon. Et ces avions sont particulièrement sûrs, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel que de découvrir l'Afrique par ces avions. Il faut savoir que on va mettre une petite heure de vol pour aller embarquer. Alors, je le précise, il faut des sacs souples hein, à chaque fois quand vous partez en voyage. D'ailleurs, on vous le précise dans les carnets de voyage, il y a des mensurations qui sont très, très, très bien définies. Et il faut des sacs souples pour pouvoir rentrer effectivement dans les bagages dans ces petits avions. Et là, vous allez faire un grand moment de bonheur dans cet avion, puisque une heure de vol, vous allez survoler effectivement une partie du Botswana, vous allez survoler bien sûr le lac Kariba dans toute sa longueur.
Et je dois avouer que c'est un joli moment. Et pour ceux qui ont connu le film, et je vous invite à le redécouvrir, Itinéraire d'un enfant gâté, notamment avec Jean-Paul Belmondo, à un moment donné, il y a Jean-Paul Belmondo qui appelle sa fille et qui lui dit, tu sais, ma chérie, tu sais où je suis? Je suis au-dessus du plus bel endroit du monde, et c'est le lac Kariba. Et effectivement, Belmondo, à cet endroit-là, est sur le lac Kariba. Et ce film, d'ailleurs, a une grande partie, effectivement, sur cette partie d'Afrique australe. Et c'est un joli moment. Et je pensais pas moi-même un jour marcher sur les traces, effectivement, d'Itinéraire d'un enfant gâté de Belmondo. En tout cas, on arrive au bout d'une heure de vol sur le lac, sur la ville de Kariba. Ville de Kariba, un quart d'heure de transfert. On sort de l'aéroport, petits avions, ça se fait vite. Un quart d'heure de transfert et on arrive sur cette marina, puisque ça s'appelle une marina. Alors, entre-temps, on aura croisé des singes et des zèbres et on arrive sur cette marina. Et vous voyez le bateau, là, on est le seul. Alors maintenant, il y en a deux, puisqu'on a le Sister Ship. On est le seul bateau de 8 cabines. Et je dois avouer que ce bateau de 8 cabines, quand... Donc 16 passagers, avec un pont linge dessus, cabine de 17 mètres carrés, restaurant, salon panoramique, terrasse intime, on a une petite piscine, un espace solarium. Et ce bateau, quand vous sortez de cette marina, eh bien là, je peux vous garantir qu'il y a tout le stress du monde qui s'enlève. Seul au monde. Le mot, c'est seul au monde. Il n'y a qu'un bateau sur le lac. De temps en temps, vous croiserez un bateau de pêcheurs. Et là, vous avez l'Afrique qui s'ouvre à vous, l'Afrique devant vous. Vous montez sur le pont, vous prenez un petit blanc sud-africain ou ce qui vous fait plaisir. Vous vous installez, vous écoutez le silence, vous contemplez la nature. Et c'est tout simplement, il n'y a pas de mots, il faut le voir, il faut y aller pour le découvrir. Incroyable, incroyable. Alors Eric, ce que je te propose peut-être, lançons une petite vidéo justement pour découvrir justement cette belle partie. C'est parti! Allons-y. Thank you.
Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors de cette vidéo? Ça fait rêver, hein? Je vous l'ai dit, c'est le voyage d'une vie. N'oubliez pas de mettre les petits pouces. Vous avez juste en dessous là de la vidéo, vous avez un petit pouce. Il faut que tous les pouces deviennent bleus là. Tous les pouces doivent devenir bleus. Vraiment, ça fait rêver ce voyage qui est extraordinaire. Et je vous vois hein, sur le chat. Je vous remercie pour vos commentaires. Hein. Irène Locatelli qui dit je ne sais pas quoi dire. Magnifique. J'ai Catherine de Saï qui dit magique. Sylvie Fondaneige qui dit superbe. Merci pour vos commentaires. Hein. C'est effectivement magnifique et ça fait rêver. J'ai également une question de Raymond Thomas, alors qui me posait justement quels sont les prix, quelles sont les chambres suppléments individuels. Tout ça, on va le voir à la fin, vous inquiétez pas. Par contre, une petite info, c'est si vous êtes seul et si vous souhaitez partager effectivement ce voyage avec une autre personne pour éviter de payer le supplément single, on peut justement organiser une rencontre, entre guillemets, une réunion où on peut vous faire rencontrer avant le voyage et justement pouvoir vous faire partir sur ce beau voyage. Voilà, c'est absolument incroyable. Donc, je laisse du coup Eric continuer à nous faire rêver. Et vous allez voir, vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Il y a encore plein de choses et plein de belles images qui nous attendent. Regardez-moi ça, magnifique. Donc voilà, donc merci Lucas. Donc le lac Kariba, on y est. Donc effectivement, le bateau navigue au plus près des animaux. Et le summum du summum, c'est le petit matin. Alors, on va voir la présentation du bateau, je crois, après Lucas. Donc, je t'invite à passer la diapo. Voilà. Alors, donc, d'un très, très grand confort. Hein. C'est pareil, Lucas parlait de luxe. On est dans le luxe. Mais moi, ce que je retiens avant le luxe, c'est cette position du bateau. Alors, bien entendu, ce luxe est exceptionnel. Hein. Au milieu du lac Kariba, en Afrique, au Zimbabwe, seul au monde, dans un bateau luxueux, effectivement, c'est grandiose. Et là, c'est surtout le matin. Quand vous vous levez le matin, donc vous ouvrez les rideaux et le matin, vous allez découvrir devant vous, vous êtes encore dans votre lit, les éléphants, les girafes, parce qu'on n'a pas encore parlé des girafes, mais vous avez aussi les girafes, les éléphants et peut-être les lions, les crocodiles qui s'offrent à vous, devant vous, c'est tout simplement grandiose. C'est grandiose, c'est une sensation inconnue. Alors, ce que je vous conseille, on continue les petites diapos, Lucas, pour montrer effectivement donc, les parties communes du bateau. Voilà le salon où on prend l'apéro, où les gens effectivement échangent entre eux. Donc, vous remarquerez hein, des très grandes baies vitrées pour avoir une vue à 90 degrés à chaque fois. Et puis, voilà la partie bar, donc avec plein de photos, de diapos. Donc, vous voyez, c'est quand même assez luxueux. Je vous le rappelle, vous êtes toujours en tout inclus. Grosso modo, vous avez 15 membres d'équipage pour 18 passagers, donc c'est assez exceptionnel. Voilà, donc déjeuner, alors bien sûr, on peut mettre en fonction des affinités, des grandes tables, des petites tables, un petit peu comme le souhaitent les passagers, mais en général, c'est assez convivial et les gens se regroupent bien volontiers autour d'un repas. Et encore une fois, on est sur une cuisine, alors je ne vais pas employer le mot gastronomie, mais on est sur une cuisine de très haut niveau. J'ai un petit mot, on reste sur cette diapo déjà, Lucas, s'il te plaît. Personne n'a encore parlé, et c'est tant mieux, de la Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi sur le lodge. Le seul endroit où vous n'aurez pas de Wi-Fi, c'est ici. Mais je peux vous garantir que vous n'allez pas en Afrique pour la Wi-Fi. Coupez-vous du monde. Coupez-vous du monde. Même quand vous êtes sur le lodge, dites à vos proches que vous n'êtes pas joignable. Dites à vos proches que la Wi-Fi ne fonctionne pas. Coupez-vous du monde, vous verrez la sensation de bien-être. On n'est plus accroché à notre smartphone, on n'est plus accroché aux différents moyens de communication de cette planète. Et je peux vous garantir que ce voyage est un voyage totalement détox et ça fait un bien fou. Pendant 3 jours, personne ne peut vous joindre. Et par contre, bien entendu, alors vous avez un petit peu de réseau, de temps en temps une barre qui passe. Mais par contre, bien entendu, en cas de si on a besoin, si vos proches ont besoin de vous contacter, il y a la radio sur le bateau, on a toujours des moyens très performants de vous contacter. C'était la petite parenthèse Wi-Fi du jour. Deuxième autre parenthèse, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Pourquoi je m'arrête sur le petit déjeuner? Parce que j'ai constaté au fil de mes voyages que sur le petit déjeuner, ben les personnes restent ici. Mais non, restez pas ici. Pourquoi? Parce que dehors, il fait en fonction, alors soit un coup il va faire un petit peu chaud, soit un coup il va faire un petit peu frais.
Remettons-nous sur l'autre diapo, mon Lucas, s'il te plaît. Donc, la diapo initiale, celle d'après. Et le conseil que je vais vous donner, c'est aller là. Allez sur le Pont Soleil, prenez votre café, prenez vos croissants, prenez vos œufs au bacon, restez sur le pont et admirez le lever de soleil. Le lever de soleil sur le lac Cariba, vous ne l'aurez nulle part ailleurs, je peux vous le garantir. Vous avez, le soleil se lève toujours à l'est, bien entendu, et vous aurez une boule de feu qui va se lever sur le lac, mais c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Donc faites-moi plaisir. Si vous nous rejoignez sur ce voyage, prenez votre petit déjeuner sur le Pont de Soleil. Une fois que vous aurez pris ce petit déjeuner, eh bien, nous monterons sur les petits dinghies à nouveau, et là, nous irons découvrir la particularité du lac Cariba, qui, je le rappelle, le lac Cariba est un lac artificiel. Un lac artificiel qui a été créé au départ, un petit peu comme le lac Nasser, d'ailleurs, pour donner de l'électricité au Zimbabwe pour servir d'alimentation pêche. Malheureusement, ils savent pas trop s'en servir. Ils marchent sur deux turbines et puis ils n'arrivent pas à donner à manger, ce qui est assez pathétique. Tu vas trop vite au niveau des diapos, mon Lucas, et ils n'arrivent pas à donner à manger à l'ensemble de leur population, et ce qui est dommage parce que ce lac était assez fou. Donc pourquoi j'ai demandé à Lucas de revenir? Parce que vous voyez un petit peu la piscine, donc c'est toujours agréable le midi, avant de déjeuner, ou le soir quand on rentre, de faire un petit plouf, et ensuite d'aller se mettre sur le pont Soleil. Enfin, ça, Vous c'est voyez Eric, le si je ding? puis me permettre, toi, pendant que tu seras en train de prendre ton petit déjeuner là, moi, je pense que je serai là déjà. Si tu vois ce que je veux dire. Eh mais mon Lucas, mais bien sûr, t'as raison d'être là, t'as raison. Bon, ça dépend, si tu vas au mois de juillet, je te promets que tu n'y seras pas, parce qu'au mois de juillet, comme je l'ai dit, le matin à 7h ou à 7h30, il fait dans la nuit 8 degrés, hein. Peu importe la température, franchement, quand tu vois ça, ça Magnifique. fait Mais rêver, hein. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais moi, je suis bluffé, hein. Waouh! Par contre, ça monte très vite, hein. La température monte très vite, c'est-à-dire qu'à 8 heures, vous avez déjà 20 degrés. Donc, puisque vous voyez la boule de feu là qui s'illumine devant vous et que vous le voyez d'ailleurs en transparence dans la vitre. Donc, on continue un petit peu les photos. Vas-y, tu peux faire défiler là, Lucas, les photos. Donc, je vous parlais du lunch bar, c'est sensationnel le soir, le midi, quand vous voulez, c'est un joli moment. Et puis après, effectivement, on va aller sur ce lac, découvrir la particularité de ce lac. Qui est assez unique, c'est ces arbres en bois mort. Et ces arbres en bois mort, c'est-à-dire qu'on voit les arbres pétrifiés, c'est les arbres qui ont été mis sous les eaux, submergés par les eaux. Et c'est assez exceptionnel que de découvrir ces arbres. Et on va les découvrir à travers une petite navigation. Et cette navigation va nous emmener effectivement tout doucement, où on verra des crocodiles à nouveau, des hippopotames et puis des oiseaux par dizaines qui sont accrochés aux branches. Vous verrez les hippopotames plonger pour ressortir, courir, changer. Et là, on voit toute la boucle qu'on va faire avec le fameux parc national de Matouzadona. Et là, vous êtes vraiment seul au monde. Hein. Je vous promets que vous êtes seul au monde. On passe sur la diapo suivante. Voilà, donc le bateau à nouveau avec le dinghy qui suit derrière. Voyez la photo. On vous emmènera pêcher au coucher de soleil avec les ombres chinoises des éléphants qui se dessinent. Continuons un petit peu le diapo. Voilà les photos. Et là, vous allez prendre les dinghy et on ira sur la rivière Gash-Gash, qui est un bras de rivière, mais en réalité, on part à la découverte des animaux. Et je vous parlais tout à l'heure, c'est assez stupéfiant, on peut faire défiler les photos, Lucas, sans problème. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que on va vous emmener avec ces petits dinghies, tout d'un coup, vous naviguez au niveau de ces arbres pétrifiés, et puis tout d'un coup, au détour d'un petit virage que le dinghy fait, on arrive dans une baie, et là, la baie, c'est comme on le veut, c'est stupéfiant, effrayant, passionnant. On arrive, c'est Jurassic Park. Vous avez, allez, entre 100 et 150 crocodiles qui se dorent au soleil ou qui sont dans l'eau, de toute taille, des petits crocodiles qui font moins d'un mètre et puis des crocodiles de 4 ou de 5 mètres. C'est tout simplement stupéfiant, c'est Jurassic Park. Et là, vous êtes au milieu
du bateau, vous êtes à moins d'un mètre des crocodiles, je vous promets, hein, moins d'un mètre des crocodiles, et ils sont autour de vous. Ben, effectivement, là, vous vous dites, mieux faut pas tomber dans l'eau à ce moment-là. Le bateau repart, et puis tout d'un coup, ben, il y a Eric qui dit, tiens, là-bas, il doit y avoir des éléphants. On y va, on s'approche au plus près des éléphants, à 2 mètres, hein. Il y a deux, trois éléphants. Effectivement, donc notre guide s'approche des éléphants, on a repéré les éléphants, il y a 2-3 mètres. Et puis le bateau repart, on fait un petit tour, et puis là, tout d'un coup, ben, c'est pas 2-3 éléphants, c'est un troupeau de 150 éléphants qu'on découvre, et c'est bluffant. C'est bluffant, tout simplement bluffant. Continue les petites diapos, voilà les oiseaux, donc les oiseaux un petit peu partout, hein, comme je vous l'ai dit. Tu parlais des crocodiles, justement. Tiens. Ben voilà. Voilà les crocodiles. Alors après, voilà. Alors cette photo-là, alors on va s'arrêter aussi à un moment donné donc dans le parc de Matusadona. Alors je le rappelle, un bateau et 4x4 à la fois. Voilà une des photos. Alors on s'arrête à un moment donné vers 10h, 10h30 pour un café avec une bonne collation parce qu'on est parti tôt le matin. Et cette photo-là est très significative des paysages africains. C'est-à-dire que si vous enlevez le 4x4 là qui est devant, vous regardez au loin, vous avez non seulement ce dégradé de vert, vous avez le bleu du lac Kariba, et surtout vous avez votre ligne d'horizon. Vous avez votre ligne d'horizon où il n'y a absolument rien. Et au milieu là de ce parc gigantesque, vous avez tout. Vous avez des lions, des girafes, des éléphants, des gazelles de Thomson. Vous avez absolument tout qui s'offre à vous. C'est bluffant. Continue un peu. Voilà. Voilà un des exemples que vous avez. Et nous, on a eu la chance, effectivement, qu'on est descendu, il était 9h, il y avait un groupe d'une douzaine de lions hein, qui était entièrement repu. Ils venaient de dévorer, effectivement, dans la nuit, un hippopotame. Il restait la carcasse de l'hippopotame encore fumante. Je raconte pas de bêtises quand je dis qu'elle était fumante. Et vous aviez les lions qui étaient repus à côté. Voilà. Les amateurs de photos hein, s'y retrouveront, bien sûr. Ça, je peux. C'est pas des photos trafiquées, tout ça. C'est les photos qu'on a prises. C'est entre guillemets, c'est des vraies photos. Hein. Il n'y a rien de trafiqué du tout. Voilà où le bateau vient s'amarrer le soir, le matin. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'embarcadère, il n'y a rien. On est vraiment à l'état sauvage, à l'état brut. C'est assez sensationnel. Et je vais vous raconter une anecdote là, qui malheureusement n'a pas pu faire le buzz là, mais il y a pour les fêtes de Noël et du jour de l'an, donc comme on était confinés, on n'a pas pu naviguer. Enfin, on a pu naviguer, mais on a navigué avec des Zimbabwéens qui sont venus justement pour le jour de l'an. On a deux singes mâles qui sont rentrés dans le bateau. Et c'était assez impressionnant pour les passagers, de grands babouins mâles qui sont rentrés dans le bateau, puisqu'il y a beaucoup de babouins là-bas. Et effectivement, il a fallu les faire sortir, mais c'est pour vous montrer qu'on est vraiment dans un côté sauvage, extrême, sur cette destination. Une fois qu'on aura fini notre navigation, on dort 3 nuits, hein, sur ce bateau, donc on passe 3 nuits. Je peux vous garantir que c'est pas suffisant. Pour moi, il faudrait presque. Il faudrait 5 nuits ou 6 nuits. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit. On va découvrir donc Kariba. Donc on va découvrir le barrage. Et puis une fois qu'on aura découvert le barrage, on s'arrête pour la photo du barrage. Et après on va reprendre nos petits avions. Voilà la photo du barrage. Donc ça c'est le barrage. Et ensuite on va reprendre nos petits avions. Et si vous êtes sympathique avec le pilote ou la pilote d'ailleurs, puisque nous avons des pilotes femmes. Eh bien, au cours de ce voyage, on retourne. Alors, on retourne pas à Kazan, hein, vous l'avez compris. On retourne à Victoria Falls. Et là, au détour d'un virage, le pilote sera particulièrement sympa et il va vous faire un petit virage sur l'aile. Il va vous montrer les chutes Victoria vues du ciel, ce qui est assez exceptionnel. Je le répète, hein, Victoria. Imaginez une seule seconde. Ce qu'a dû découvrir Livingstone tout seul après une expédition quand il est arrivé à pied, qu'il a entendu ce grondement, parce que c'est un véritable grondement sourd. Il y a un double arc-en-ciel, le double, double arc-en-ciel sur les chutes Victoria, c'est stupéfiant. Pour moi, c'est du même niveau qu'Iguassu et c'est bien supérieur à Niagara.
On est sur un endroit sensationnel. 2 km de long à peu près, hein. Vous avez une balade de 2 km avec des différents points de vue pour vous arrêter. Et franchement, il n'y a pas de mots, hein. C'est la cerise sur le gâteau du voyage. Vous allez passer un très joli moment et un moment inoubliable à découvrir les chutes Victoria. Et je On a une confirme, je vois sur le chat, Eric, Daniel Valentin, qui confirme qu'il a adoré les lacs et surtout les chutes, voilà, qui a fait ce voyage que tu as fait également. Donc merci Daniel pour votre commentaire. Je te laisse continuer, Eric. Donc je pense qu'on a peut-être une autre photo sur les chutes, je ne sais pas. Non, alors là c'est la photo du lodge, c'est la photo de l'hôtel à Victoria Falls où on est. La photo de l'hôtel, un hôtel très confortable, typique, alors plus grand, hein, beaucoup plus grand. Alors on peut être un peu dépaysé par rapport à ce qu'on vient de vivre, puisque on passe de 16 personnes à plusieurs dizaines. Mais ce lodge est très bien conçu, et il a vu sur ce point d'eau. Il a vu sur ce point d'eau. Alors même chose, le conseil que je vais vous donner, vous allez peut-être allez une fois dans ce pays, vous y retournerez peut-être avec un peu de chance. Ne vous couchez pas. Ne vous couchez pas. Vos chambres donnent sur le point d'eau. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est comme le petit déjeuner, hein. On a des habitudes d'Européens, donc on prend notre petit déjeuner cloisonné à l'intérieur, etc. Et ben là, c'est un peu pareil. Les gens à 22h, 22h30 vont se coucher. Quelle grave erreur! Quelle grave erreur! Vous avez deux solutions. Soit vous prenez un petit verre au bar et vous vous installez, soit vous allez dans votre chambre sur le balcon et même chose, vous vous installez et vous attendez et vous écoutez le silence. Et à un moment donné, le silence, il va se transformer en nature, c'est-à-dire que vous allez avoir les éléphants, vous allez avoir les hyènes, vous allez avoir les buffles, vous allez avoir les girafes qui vont venir s'abreuver dans le point d'eau et qui vont passer. Moi, j'ai des éléphants qui sont passés à 3 mètres de ma chambre. J'ai une hyène qui est passée à 2 mètres. C'est des moments que vous avez une fois dans votre vie. Donc, vous aurez tout le temps pour dormir. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes un petit peu résistant, n'allez pas vous coucher ou allez vous coucher seulement à 3 heures du matin. Parce que c'est des grands, grands moments à vivre. Alors si je Voilà. résume bien, Eric, en fait, ta définition du luxe à toi, c'est peu importe les hôtels, peu importe le bateau, ce qu'on veut, c'est l'expérience, le silence, la nature et la nature et le silence. J'ai bien résumé ou pas? T'as à peu près bien résumé, effectivement, le luxe est ce qui vient se greffer après, si tu veux, pour moi. Le luxe, c'est ce qui te permet d'appréhender la nature dans les meilleures conditions. Voilà. Pour moi, le luxe est au service de la nature. Voilà. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que le luxe vient en plus, n'est pas pour moi, n'est pas quelque chose de nécessaire. Mais en tout cas, et pour beaucoup indispensable, et en tout cas sur le lac Kariba, permet de te mettre dans un havre de paix exceptionnel, comme les lodges d'ailleurs. Donc le luxe est un élément qui peut être indispensable effectivement pour nous Européens. Excellent. Et je te confirme, on est tous d'accord avec toi, je pense, hein. N'hésitez pas à mettre les commentaires sur le chat, hein. Donc voilà un petit peu la vue effectivement que vous avez donc un très bel hôtel, hein, je confirme, un très bel hôtel en toit de chaume, vraiment superbe. Et puis voilà, notre voyage touche à sa fin. Voilà les chambres, donc avec moustiquaires, très bien, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ce que je te propose, c'est qu'on continue. Alors la balade en hélicoptère, je te laisserai en parler, Lucas, puisqu'il y a une petite surprise pour vous, Il y a la avec la surprise à la surprise fin, des... donc surtout restez bien jusqu'au bout, hein. Très très important, j'ai beaucoup de surprises justement pour vous avec un petit jeu à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Donc survol des chutes Victoria et après donc on va passer rapidement parce que donc voilà un petit peu la vue des chutes avec le fameux pont où vous avez le chemin de fer qui passe dessus. D'ailleurs un chemin de fer qui est très luxueux aussi hein, puisqu'il remonte jusqu'en Tanzanie ce chemin de fer hein, donc c'est assez exceptionnel aussi. Donc vous êtes quand vous voyez vous êtes sur la partie Zambie d'ailleurs là-haut. Péninsule du Cap, donc le Cap, c'est ce que je vous ai dit. Faites le Cap si vous en avez la possibilité. Pas au mois de juin, pas au mois de juillet, parce que vous aurez froid, vous aurez de la pluie, etc. C'est pas terrible. Mais par contre, le Cap, c'est magique, hein. Le Cap, c'est magique
Pour deux choses. La première, pour moi, c'est magique pour le côté naturel. Tu peux passer les photos, hein, si tu veux, pendant que je parle, Lucas, où vous allez découvrir le Cap de Bonne-Espérance. Le Cap de Bonne-Espérance, il faut savoir que c'est quand même la pointe sud de l'Afrique. Donc, c'est la pointe la plus sud de l'Afrique. D'un côté, vous avez l'océan Atlantique et de l'autre côté, vous avez l'Indien. Les grands navigateurs, ben là par exemple, vous avez le Vendée Globe, ils ont passé le Cap de Bonne-Espérance, et c'est clair que quand ils passaient le Cap de Bonne-Espérance, ils rentraient dans l'Indien, et l'Indien est un continent, est un océan particulièrement violent, le sud de l'Indien, hein, puisque il va très loin, puisqu'il va jusqu'au Cap Horn, et il descend sur le pôle sud avec des icebergs. Et c'est assez magique parce que c'est très beau déjà, le Cap de Bonne-Espérance, c'est très beau, c'est toujours très sauvage. Et quand vous êtes au bout de ce cap-là, et vous regardez devant vous, et vous imaginez qu'à quelques 500 ou 1 000 km, vous avez déjà les premiers icebergs et effectivement ce pôle sud. Donc si on a un peu un imaginaire, c'est quelque chose de très fort. Le deuxième, voilà quelques photos du Cap, hein. Donc, bien entendu, avec cette photo que tout le monde fait, que j'ai fait moi aussi avec la pointe. Et puis, vous verrez les manchots, effectivement, nos fameux pingouins là où vous êtes les seuls à pouvoir les voir dans cette partie de l'Afrique, hein, puisque je vous rappelle qu'en Europe, ils n'existent pas. On n'en a pas dans l'hémisphère nord, ils n'existent que dans l'hémisphère sud. Et d'ailleurs, c'est très bien fait, c'est une réserve écologique avec un parc plutôt très très bien fait. Donc, péninsule du Cap, bien entendu, on vous emmènera découvrir les vignes, comme je vous l'ai dit. Et puis, le deuxième moment très fort, c'est la visite de Robben Island, là où a été enfermé pendant quelques dizaines d'années Nelson Mandela avec ses acolytes. Donc, c'est aussi un des moments forts, deux grands moments forts, le Cap de Bonne-Espérance. Et la découverte de Nelson Mandela, de Robben Island et la ville où il a été aussi président de la République. Il faut savoir que le Cap est devenu la ville où vous avez le plus grand township au monde. C'est-à-dire que c'est là où c'est impressionnant. C'est une ville dans la ville où vous avez la ville qui vit dans les townships. Et c'est là où vous vous dites que quelquefois que les Africains ont un peu raté cette scission, puisque vous avez encore ces townships très importants qui sont en Afrique du Sud. Mais en tout cas, c'est aussi un beau pays et on espère pouvoir le refaire très bientôt, ce pays où en réalité on ne passe qu'une journée, hein, puisque vous ne vous posez qu'à Johannesburg et après on part tout de suite sur notre bateau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura séduit. On reprend notre navigation à partir du mois de mai. Moi, je vous invite à le faire. Effectivement, c'est un budget, donc Lucas va vous en parler. Mais le budget par rapport à ce que la prestation vous offre est infime. Enfin, c'est pas infime, excusez-moi, le mot est pas juste. Mais le rapport qualité-prix est, je peux vous le garantir, est tout simplement exceptionnel. C'est le voyage d'une vie, oui, comme le disait Lucas. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez pu porter. Et puis, je souhaite sincèrement, sincèrement, que vous alliez faire un petit tour avec nous sur ce bateau et sur ces lodges par l'intermédiaire de Voyage Rive Gauche. Voilà. C'est avec grand plaisir, mon Eric. Hein. Magnifique, hein. Très 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 belle conférence. La conférence n'est pas terminée. Hein. Restez surtout avec nous jusqu'au bout. On a plein de surprises à vous réserver. Merci, Eric, pour cette passion que tu nous as transmise. Hein. Je crois que tout le monde a rêvé. Alors, on est toujours en Afrique. Hein. On n'a pas encore quitté le continent. Ne vous inquiétez pas. Pour continuer, ce que je vous propose, je vais vous passer une petite vidéo qui va nous réexpliquer un petit peu la construction du barrage du lac de Kariba. Ensuite, on verra justement quelles étaient les conséquences sur la nature sur le lac de Kariba. Et enfin, j'ai découvert dans cette vidéo aussi quelque chose de passionnant, c'est la construction de ce bateau justement
construction, on l'a construit et on a fait 400 km pour le ramener jusqu'au lac de Kariba. Vous verrez que ce n'était pas évident parce qu'on est en Afrique. C'est passionnant. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo juste après. Et juste après la vidéo, on va découvrir les prix, combien ça coûte justement cette belle aventure d'avoir l'opportunité de faire ce voyage de rêve, parce que c'est un voyage de rêve. Et enfin, on passera aux surprises à la fin et donc on aura un gagnant parmi vous. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. Tout de suite, vidéo! Le lac Kariba, une étendue sauvage au cœur de l'Afrique australe. La Méditerranée intérieure du Zimbabwe offre un goût de l'Afrique à l'état brut, tout en disposant d'une infrastructure parfaitement adaptée au tourisme. Fort des lodges parsemant ses rives et des petits bateaux de croisière qui le traversent, ce coin spectaculaire n'a rien à envier au reste du continent africain. Le lac Kariba fut construit entre 1955 et 1959. Le barrage se situe à 620 km en amont des chutes Victoria, en un endroit fabuleux appelé Kariwa par les Tonga, peuple autochtone du lieu. Avec ses 128 mètres de haut sur 633 mètres de long, il était à une époque le plus imposant barrage jamais construit par l'homme. Ce projet colossal aura réquisitionné 10 000 hommes, 1 million de tonnes de roches, 975 000 mètres cubes de ciment et quelque 4 milliards de dollars. Les Tonga avaient prédit que Nyami Nyami, le dieu de leur fleuve, ne permettrait pas la création d'un barrage sur le Zambèze. Et en 1958, des inondations massives ont menacé la solidité du barrage encore en construction. Malgré d'importants dégâts, les travaux ont pu s'achever plus tôt que prévu et dès 1960, le barrage a commencé à produire de l'électricité pour la région. En parallèle de la montée des eaux dans le bassin du Zambèze sur plus de 5000 m², une mission de sauvetage de la faune en danger a été amorcée. L'opération Noé, menée par le fameux Rupert Fothergill, directeur de la réserve naturelle de l'époque, a permis de sauver quelque 5000 animaux entre 1960 et 1962. Serpents, singes, éléphants et rhinocéros ont été sauvés et déplacés en terrain surélevé, principalement au cœur du parc national Matusadona. Leurs descendants vivent encore aujourd'hui dans les alentours du lac. Sa construction achevée, le lac a façonné pour toujours le nouveau visage de l'Afrique australe. Le dernier né des bateaux de croisière de luxe s'est lancé sur les eaux du lac Kariba en début 2018. Avec son programme de safari croisière, l'African Dream donne le ton en répondant aux attentes d'une clientèle internationale avertie. Comme pour tout grand projet, tout est parti d'une idée à la croisée d'esprits créatifs. Durant des mois, les travaux se sont organisés suivant un planning précis. D'abord les cloisons principales, la superstructure, puis l'enveloppe extérieure pour terminer par les murs intérieurs et les équipements. Le bateau commençait à prendre forme tandis qu'ouvriers et architectes d'intérieur s'affairaient comme des fourmis dans ses moindres recoins. Fin 2016, le chantier naval GDI à Harare a entamé la construction de la coque de 33 mètres de long. Initialement prévu sur une année, les travaux se sont finalement achevés en avance et l'African Dream a pu quitter Harare en 2017. Il a fallu faire appel à un méga camion de 100 tonnes, seul capable de transporter les 90 tonnes du bateau tout le long de son parcours marathon jusqu'à Kariba. Entouré d'une équipe technique et d'escorte, le bateau a embarqué pour un voyage long et éprouvant de 400 km depuis Harare. Plus large que la plupart des routes au Zimbabwe, l'African Dream a dû s'entourer d'un convoi exceptionnel lui ouvrant la voie, ralentissant la circulation et coupant les lignes électriques sur son passage.
Pour éviter ces obstacles, son pont supérieur a été retiré, mais le voyage n'en a pas été moins long, prenant parfois des journées entières pour parcourir seulement quelques kilomètres. Il était hors de question d'abattre des arbres. Il aura fallu tailler minutieusement branches et buissons afin de protéger la coque. Grâce à des semi-remorques capables de s'articuler individuellement, l'équipe experte est parvenue à se frayer un chemin parmi certaines des plus dangereuses routes d'Afrique, particulièrement l'escarpement du Zambèze, serpentant le long du fleuve sur 77 km, sa route étroite et ses falaises abruptes dominant de plus de 900 mètres les plaines de la vallée du Zambèze. 3 semaines durant, les équipes se sont reposées chaque soir sur les bords de la route menant à Kariba, sous le ciel étoilé d'Afrique. Une fois arrivé à destination, le point de lancement de l'African Dream a été choisi avec soin. Son pont supérieur lui a été rendu, l'air conditionné installé, ainsi que des générateurs et une multitude d'équipements divers. Il a fallu 10 jours aux équipes pour ces derniers ajustements et la préparation de la mise à l'eau. La météo peu clémente et des derniers obstacles ont dû être déjoués. Le bateau pesant maintenant 181 tonnes, il a fini par s'enfoncer dans les rives de sable mou, tandis que les gréeurs accéléraient la cadence. Après l'avoir sorti de la remorque, à l'aide de puissants béliers, des tubes et rouleaux géants ont été placés sous le bateau. Les remorqueurs ont finalement achevé le travail ardu de la mise à l'eau en tirant doucement l'African Dream jusque dans les eaux du lac Kariba. Suite à son lancement, il a été amarré au port GDI où l'on a procédé aux derniers ajustements avant l'inauguration officielle. À l'approche du jour J, les travaux allaient encore bon train. Des véhicules faisaient des allers-retours incessants, transportant mobiliers et décorations, acheminés en file indienne à bord, tandis qu'une armée d'agents d'entretien et de techniciens s'affairaient aux quatre coins du bateau. Les derniers ajustements s'effectuaient sur les moteurs diesel Volvo Penta de 300 chevaux et les unités de propulsion qui allaient bientôt permettre la navigation. Le bateau fut prêt en quelques jours seulement et déplacé dans la moiteur de Marine Land Harbor, un port célèbre de Kariba prêt à accueillir ses premiers passagers. Un groupe de musiciens divertissait la foule, faisant oublier la chaleur aux invités regroupés autour de cocktails de bienvenue et de snacks de dorade de Kariba ou de queue de crocodile. Le propriétaire et le personnel se sont ensuite adressés à l'assemblée. Ah, mesdames et messieurs, quel honneur de vous recevoir. Et puis vous avez... Ensuite a eu lieu la bénédiction religieuse. Comme pour tout nouveau navire, une bouteille de champagne fut sabrée sur sa proue juste avant l'embarquement. Les passagers enfin d'abord. Il s'est aventuré en début de soirée dans le lac pour une escale de nuit dans une île à proximité. Thank you.
Botswana, une partie du continent que certains appellent les Galapagos de l'Afrique, où le Cascade Lodge les accueillera. L'African Dream, un bijou de passion.